le plaisir d'être parent, qu'ils disent. Le plaisir de l'échange. Bon, enfin, t'es pas sérieux, là. Le plaisir de quoi? De parler tout seul à un ventre à peine articulé sur deux pattes et qui te réclame sa pitance avec des petits borborygmes incompréhensibles? Mais il veut te raconter quoi, en fait? Parce que je te rassure, moi non plus, j'ai pas le mode d'emploi. Il aime ou il aime pas? Il choisit carotte asperge ou cabillaud courgette? Il préfère la cuillère pour papa ou le cuir pour maman? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, finalement? La seule chose que tu saisis, c'est que pour faire ta liste de courses et planifier tout ce que t'as à faire, t'as besoin d'acheter un nouvel ordinateur et de prendre un bon jour de RTT. Rien que la préparation des repas, c'est un job à plein temps. Et l'équipement? Le lit pliant, le lit pas pliant, la chaise haute, la basse, la poussette canne, la poussette berline. T'es quasiment obligé d'ajouter une remorque à ton monospace pour partir en week-end chez les beaux-parents. Mais bon, quand ils les voient, les beaux-parents qui... bizarre. Et qui font... Gagaga. Il est mignon, bébé. Il est mignon. Eh ben là, tu saisis. Tu comprends tout. Tout s'éclaire. Ouais, magique. Bon, il faut que je finisse la vaisselle, moi, quand même. Non, on rigole, mais... Aubert, le plaisir d'être parent.